Le 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger, des Français tirent sur des Français. Bilan officiel, 43 morts. Les familles des victimes ont recensé 80 morts et 200 blessés. Le 26 mars 1962, les accords d'Évian sont signés depuis une semaine et le quartier de Bab el Oued est bouclé par l'armée française. Des pieds noirs de tous âges, sans armes, se rassemblent pour manifester leur solidarité avec les assiégés et leur attachement à l'Algérie française. Les trois sœurs Ferrandi sont des amies à Bab el Oued, elles y sont nées. Elles sont venues manifester avec leurs parents et leurs collègues. Elles passent plusieurs barrages sans encombre jusqu'à la rue d'Isly. Moi, j'étais à côté de cette dame à qui je parlais parce qu'elle disait, elle s'adressait aux militaires et elle disait « Laissez-nous passer, mon fils et mon mari sont enfermés à Bab el Oued » et elle pleurait. Alors gentiment, je lui mets mon bras sur son épaule et je lui dis « Mais ne vous inquiétez pas, madame, ils vont nous laisser passer. » Et c'est en tournant la tête vers les militaires pour quitter leur approbation. À ce moment-là, il y en a un qui a fait un pas en arrière, il a armé, ça a été rapide, un pas en arrière, il a armé, il a tiré immédiatement. Ça s'est arrêté, alors là, un silence de mort. J'ai levé la tête, et j'ai vu quelqu'un s'agripper au mur du crédit foncier. Alors bon, j'ai dit, on peut bouger. À ce moment-là, je me suis relevée et j'ai attrapé ma sœur sous les épaules et je lui ai dit « Allez, viens, je vais t'aider ». Et elle est tombée en arrière, sa tête sur mon bras et j'ai vu qu'elle était morte. J'ai voulu me sauver. Et comme je ne pouvais pas courir, j'ai commencé à sauter sur une jambe par-dessus les cadavres des personnes qui ne se relevaient pas. Monique, 19 ans, Annie-France, 17 ans, ont été grièvement blessées. René, 22 ans, sera enterré à la Sauvette. La famille est séparée. La plainte du père de famille contre l'armée française n'a jamais abouti. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient en terminer avec les pieds noirs et qu'ils ont fait ça, je veux dire, pour nous museler. La preuve, c'est qu'après, tout le monde s'est sauvé.